Ok. Il se nomme Hilarion Kouassi. En plus d'être professeur de théâtre à l'INSAC, il est humoriste et comédien. C'est en cette qualité qu'il va se produire ces 17 et 18 décembre 2022 dans un one-man show à la Cocoteria des Arts à Mondoukou, dans la ville de Grand-Bassam. Pour en parler, nous le recevons dans ce nouveau numéro de votre émission L'Invité. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Hilarion Kouassi, bonjour. Bonjour Koné, comment tu vas mon frère? Ça va bien chez vous? Et chez vous, là? Et chez vous, vous allez où? Voilà, c'est un peu l'humour qui vient de commencer à travers cette émission avec Hilarion Kouassi qui est sur ce plateau pour nous parler de son deuxième one-man show ce 17 et ce 18 décembre 2022 du côté de Mondoukou à Grand-Bassam, À la à la Cocoteria des Cocoteria Arts. des Arts précisément. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment à quelques heures de cet événement? Mais comme Kader Kedia l'a dit, il n'y a pas état d'esprit, on est là pour jouer. On est là pour jouer. Donc, c'est vrai que quand on prépare un événement, on a le trac, on a le souci de bien faire. Et parce qu'on a le souci de bien faire, on est un peu stressé. Donc voilà, on a un peu de stress. Mais bon, ça va, tout en train de se placer au niveau des répétitions, tout avance. Donc on espère que voilà, les choses iront mieux jusqu'au jour du 17 et 18. Voilà. En tout cas, venez nombreux parce qu'on va faire une grosse fête. Alors, dites-nous, dans quel cadre se situe cet événement qui va se tenir sur 2 jours? En fait, la Cocoteria des Arts, qui est un espace de création et de diffusion de spectacles, fait des programmations de spectacles chaque mois. Voilà. Et donc, le responsable qui est un grand frère à moi, un aîné de l'INSAC, parce qu'il a aussi fait la formation à l'INSAC là-bas, il s'appelle Jean-Paul Méhancio. Lui et son épouse Véronique ont donc construit cet espace-là. Et donc, chaque mois, ils font des programmations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont décidé de me programmer dans le mois de De décembre. décembre. Et j'ai la chance, ça tombe au lendemain de mon anniversaire, donc on va faire la fête. Voilà. Alors, un événement qui coïncide avec votre anniversaire, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ben, tu sais qu'on a tendance à, quand on part à un anniversaire, on a tout de suite tendance à, que ce soit les autres qui nous donnent les présents. C'est ça. Voilà. Donc moi, ce que je fais à ce spectacle-là, c'est que j'offre le spectacle comme cadeau à mes invités. Voilà. Il y a plein de personnes qui me connaissent, qui m'ont jamais vu jouer sur scène, ou qui me voient jouer, mais peut-être à la télé, ou tout ça dans des films et tout ça, mais qui m'ont jamais vu sur une durée pareille, 45 minutes, 1 heure de spectacle, pour dire dans un one-man show. Donc c'est l'occasion pour ces personnes-là de venir regarder. Et puis voilà, pour ceux qui me connaissent, de venir redécouvrir encore la personne de Hilarion. Voilà. Donc c'est un anniversaire spectacle. C'est mon cadeau que j'offre pour cet anniversaire-là. Alors, ça sera le deuxième one-man show de Hilarion Kouassi pour une troisième représentation. C'est bien cela. C'est ça. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous de jouer, de vous produire sur scène pour faire connaître, sinon faire redécouvrir votre deuxième one-man show au public? Ben, je suis content parce que depuis ce spectacle-là, ce deuxième one-man show qui s'appelle À qui la faute, je rappelle que le premier, c'était Je me Je me présente, voilà, présente. que j'ai écrit en 2014, que j'ai joué au Massa 2016, qui m'a quand même fait bouger un peu, fait connaître quand même dans le milieu artistique, au niveau des pères, des grands frères, voilà, humoristes. Donc pour ce deuxième one-man show-là, j'ai envie de dire que ça va me permettre de me rebooster dans le milieu. Et puis, tu sais, depuis un moment, nous, on a eu la chance quand même d'avoir le concours de la fonction publique au niveau de l'INSAC pour devenir enseignant. Donc, ça fait que, entre-temps, donner les cours, d'abord suivre la formation, donner les cours, et ensuite, ça nous a responsabilisés. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord, il faut quitter la maison familiale, prendre une maison, chercher peut-être à se caser avec une chérie et tout, tout. Donc, ça fait que pendant un bon moment, je ne suis pas monté sur scène pour jouer mes one-man shows. Donc là, je suis en train de revenir pour vraiment me booster, On va dire un retour sur scène. un retour sur scène, voilà, pour vraiment me booster et puis voilà, dire aux gens que voilà, il arrive encore là. Et puis voilà, venez découvrir ce que vous aimez chez lui. Alors, vous avez donné le titre de ce deuxième one-man show, À qui la faute? De quoi s'agit-il exactement dans ce one-man show? Quand vous dites À qui la faute, qu'est-ce Ouais. qu'on doit comprendre?
À qui la faute est-il d'interrogation à tout le monde, à monsieur tout le monde, à qui la faute de tout ce qui se passe actuellement, à qui la faute de tout ce qu'on voit et d'anormal, mais qu'on cautionne malheureusement, à qui la faute de ces mœurs légères au niveau de notre jeunesse, à qui la faute de tout ce qui ne va pas dans ce monde, est-ce l'arrivée des nouvelles l'arrivée des nouvelles technologies, pardon. Est-ce le changement du fait que nous soyons passés du 20e au 21e siècle, à qui la faute de tout ce qui nous englobe, de tout ce qui nous entoure et qui fait que tout va vite, et au point où on dit que le monde part Et si on vous demandait à qui la faute de tout ce qu'on constate, est-ce que c'est dû au changement d'air, comme vous l'avez signifié, ou bien c'est l'avènement des nouvelles technologies qui est responsable de tout ceci? Je crois que c'est les deux. C'est les deux. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis que je ne fais pas l'insulte à ceux qui sont nés pendant les années 2000, mais moi, je suis un enfant des années 80. Et pour un enfant des années 80, il y a l'éducation qu'on a reçue qui est carrément différente de celle qu'ont reçue les enfants des années 2000. Tu comprends? Donc, du coup, il y a beaucoup de choses que nous, on ne pouvait pas se permettre de faire. Qu'aujourd'hui, nos jeunes frères des années 2000 font. Et puis nous, on est surpris, on dit, mais comment est-ce que ça se fait et tout ça? Voilà. Donc ça veut dire, c'est peut-être comme je l'ai dit, c'est peut-être le changement de passer du 20e au 21e siècle. C'est aussi peut-être l'arrivée des nouvelles technologies qui a quand même son avantage et ses inconvénients. Aujourd'hui, nos jeunes frères sont plus axés sur Internet. Tu fais même la remarque, je ne sais pas si tu fais cette remarque. Aujourd'hui, quand on se retrouve entre amis, au lieu de peut-être papoter comme on le fait, tout le On est monde est tous sur son, concentrés sur voilà, son le smartphone. téléphone. Tu vois? Donc, du coup, il y a plus ce rapprochement entre amis, entre frères et tout ça. Même quand on fait des réunions de famille, très souvent, tu vois que les gens, tout le monde est sur son smartphone. C'est dangereux. C'est malheureux, mais bon. On est dedans, on vit avec. Et c'est cette interrogation que je me pose. À qui la faute? Est-ce les parents qui ont démissionné au niveau de l'éducation? Est-ce le monde même qui a failli à sa mission? Est-ce à qui la faute? En tout cas, on pourra dire aussi que les parents ont démissionné parce que quand vous dites que les enfants de 80 n'ont pas la même éducation que ceux de 2020, ça pose des problèmes 2000, les années d'éducation. 2000. Les années 2000, ça pose des problèmes d'éducation. Oui, mais parce que en même temps, tu vois, pendant l'année 2000, il y a ce qu'on a connu tous en Côte d'Ivoire ici. Mais je prendrai pas seulement même. Bon, si je prends le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on a connu à partir de 2000 et tout. Donc ça fait que les parents même étaient plus préoccupés à survivre, vivre, pardon, à survivre que de peut-être à accentuer plus l'éducation des enfants. Voilà, parce que ils sont nés dans une période très très mouvementée et tout. Donc ça peut être c'est peut-être une cause, mais si je veux pas je laisse le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, et que je généralise ça, j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi l'arrivée des nouvelles technologies. C'est bon, c'est peut-être on se dit bon. Avant, les choses étaient trop archaïques. Maintenant, il faut moderniser ça. Et donc, dans cette modernisation, il y a plein de choses qu'on laisse échapper, quoi. Alors, qu'est-ce qui a inspiré ce deuxième one-man show? Je veux dire, le constat, il est parti de quoi? Qu'est-ce que Hilarion Kouassi a pu observer pour nous produire cela? Ben, c'est beaucoup de choses, ce dont on a parlé tout à l'heure, déjà. Les parents qui ont échoué. Mais ce spectacle-là s'axe plus sur la gente féminine, sur nos soeurs qui, avant. Pourquoi plus la femme? Ouais, mais on dit, tu sais, on dit qui aime bien châtie bien. On aime les femmes. Donc, puisqu'elles sont nos mamans, nos soeurs, nos épouses, nos maîtresses d'école primaire. Voilà. Donc, puisqu'elles sont nos soeurs et nos amies. Voilà, donc j'estime qu'aujourd'hui, la relation qui existe entre les jeunes filles et les jeunes hommes, sinon les garçons, c'est devenu très très compliqué. Avant, il te suffisait de quoi pour qu'une jeune fille tombe amoureuse de toi? Simplement que tu l'invites au cinéma, tu vois, tu l'invites voir un film de théâtre, ou bien une pièce de théâtre, pardon, une pièce de théâtre, un film.
tu l'envoies dans un resto ou elle prend une seule sucrerie, elle se limite à cela. Voilà. Mais aujourd'hui, tout a changé, tu vois. Tu envoies une jeune fille au cinéma, bon, après, tu l'envoies au cinéma, mais ça ne prouve pas ton amour pour elle. Tu vois, aujourd'hui, c'est tant que tu ne donnes pas le cash, on ne t'aime pas, quoi. Appétit à Jean, appétit à Vous la vous. trouvez plus matérialiste? Bien sûr, c'est pas moi. Est-ce que toi, tu ne l'es pas matérialiste Moi, aussi? j'ai pas de position à donner sur Hein? cette question, Voilà. hein. Non, 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 mais on est tous jeunes et on subit. Tu vois, on subit. Aujourd'hui, je dis, avant, par exemple, le kilo d'amour qui coûtait un simple « je t'aime », aujourd'hui coûte, fais-moi un dépôt. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les femmes sont plus au centre de cette corruption de la société? Non, pas corruption de la société, mais je veux dire que les femmes sont aujourd'hui plus au centre du fait que l'amour même aujourd'hui n'a plus son sens et n'a plus sa valeur. Voilà. Avant, nos parents, tu vois, on pouvait te donner un bouquet de fleurs juste pour témoigner notre amour, te chanter une belle sérénade ou bien une belle mélodie et tout, ça passait. Mais aujourd'hui, est-ce que quand tu appliques ça, ça passe? À une jeune fille, tu donnes un bouquet de fleurs, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous avec? Mais quand elles disent qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, elles ont aussi raison. Oui, non, je ne dis pas qu'elles n'ont pas raison, mais je veux dire qu'il ne faut pas que l'argent devienne la base de l'amour. Parce que tant qu'on décide de se mettre ensemble par intérêt, l'amour n'ira pas loin. On est d'accord. On décide d'abord de se mettre ensemble parce qu'on éprouve un sentiment l'un envers l'autre. Tu comprends? Et c'est après ce sentiment-là que l'argent intervient, ou bien l'argent vient en appui, bien en amont, si je veux le dire bien, c'est en En aval, bref, appui. en appui, pour que voilà, ça nous serve d'instrument pour le quotidien. Mais il ne faut pas que l'argent soit d'abord, non, tant qu'il n'y a pas l'argent, moi je ne peux pas t'aimer parce que voilà, moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui n'a rien et tout, tout, tout. Voilà, c'est. D'accord. Alors, dites-nous, le 17 et 18 décembre 2022, qu'est-ce qui va se passer concrètement? À quoi le public devrait-il s'attendre? D'abord, un très beau spectacle, bien écrit, avec une bonne mise en scène. Et au-delà du spectacle, une fête d'anniversaire qui va se passer dans la joie. Pour tous ceux qui me connaissent et qui me côtoient, ils savent que je suis quelqu'un de très, très taquin, très, très drôle, quelqu'un qui rigole beaucoup. Donc voilà, on va vraiment passer une agréable journée pour ces 2 jours-là. Et ce sera un moment d'hilarité et puis de festivité. J'imagine que ce qui va se passer le 17, ce n'est pas la même chose qui va se passer le 18. Qu'est-ce qui va se passer le On 17? joue le même spectacle sur les 2 dates. Voilà, D'accord. on joue le même spectacle sur les 2 dates. Seulement que pour la journée Ça ne du. sera pas redondant pour les gens? Non, 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 non. Ça ne sera pas redondant pour les gens. Parce que le public, d'abord, ce n'est pas évident que ceux qui soient venus le samedi soient là. Même s'ils sont là, il y a d'autres personnes qui vont venir s'ajouter. Et puis, tu sais que quand on joue un spectacle, il y a toujours, tu vois, l'esprit du jour dans lequel on joue le spectacle là, qui agit. Tu vois. Donc, et puis en tant que comédien qui a été formé, bien sûr, à l'INSAC, voilà, donc on a toujours cette manière-là de faire en sorte que le spectacle que vous avez vu avant, hier, là, n'est pas celui que vous voyez là. Parce qu'on y a toujours ce petit grain de sel qu'on ajoute toujours qui voilà, bonifie la chose, quoi. Alors, pour ceux qui veulent prendre part à cet événement, comment ils le font, comment ils procèdent? Le spectacle, il est gratuit. Le spectacle, il est gratuit. Mais la consommation, elle est obligatoire pour l'espace. Voilà. Donc, le propriétaire de l'espace a créé son espace. C'est vrai qu'il offre des spectacles gratuitement, mais pour avoir accès, il faut quand même consommer. Voilà, parce que, comme il a dit lui-même pour rigoler, c'est la consommation qui fait qu'il paye les artistes. Voilà. Ou sinon, le défraiement pour les artistes. Voilà. Donc, c'est juste de consommer. Et puis, voilà, vous avez droit au spectacle. Il y a le brunch qui est là. Le brunch, il est à 15 000. Un brunch, c'est une sorte de petit repas, café, tout se tasse et tout ça, qui est à 15 000. Et puis, il y a le brunch de 25 000 pour 2 personnes. Voilà. Il y a des espaces à loger dans l'espace qui nous accueille. Et puis, il y a aussi des espaces aux environs de l'espace, enfin, de la cocoterie qui nous reçoit pour ceux qui veulent loger. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, Hilarion Kouassi, on le sait, vous êtes produit à l'Institut Goethe
à l'Institut français. Jusque-là, vous n'avez pas encore fait de spectacle au Palais de la Culture de Trècheville. Comment on peut expliquer cela? Non, pas que je n'ai pas encore fait de spectacle au Palais de la Culture. J'ai plusieurs fois joué là-bas, mais je veux dire que peut-être la question que vous devez me poser, est-ce que tu as déjà fait un one-man show Oui, là-bas toi-même? exactement. Voilà, voilà, voilà. Sinon, j'ai joué dans pas mal de créations Non, on ne prend là-bas. pas de one-man show. Voilà. Non, j'ai beaucoup de respect pour le Palais de la Culture et pour la 4000 places. Pour la 4000 places, parce que je sais que vous allez me peut-être poser la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas encore joué à la 4000 places? Donc, je me dis que pour pouvoir affronter cette salle, qui est une mythique salle quand même, de 4000 places, donc ça veut dire 4000 personnes que tu déplaces, et pour pouvoir le faire, il faut vraiment bien se préparer. On prend le temps que ça va prendre pour bien se préparer. J'ai un ami blanc qui m'a dit un jour, c'est bon de vouloir arriver en Europe, mais il faut arriver en Europe et avoir quelque chose à faire en Europe. Mais il ne faut pas arriver là-bas et puis devenir clochard, alors que dans ton propre pays, tu étais quelqu'un de bien. Ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, il faut prendre la peine de bien préparer cette chose. Il ne faut pas se précipiter d'avoir une chose et puis ne pas savoir l'utiliser après. Tu comprends? Donc la 4000 places, c'est un rêve. C'est un rêve. On va le réaliser. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, on va le réaliser un jour. Pour l'instant, on continue d'apprendre aux côtés de nos aînés qui sont Adama Daïko, Jimmy Danger, Zongo, le maréchal Zongo. Et tous les grands frères que tu connais, Joël, Magnifique, voilà, c'est Agalawal et tout le monde. Voilà. Alors, à partir des propos de votre ami blanc que vous avez rapporté tout à l'heure, je suis tenté de vous demander, est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas exactement rien à proposer au public que vous n'avez pas encore joué au Palais de la Culture de Trècheville dans un one-man show? Pas qu'on n'a pas encore rien à proposer. Ce spectacle-là peut être joué là-bas, mais je veux dire. Pour l'instant, nous-mêmes, on essaie d'abord de se faire connaître dans le milieu. D'accord? On essaie d'abord de se faire connaître dans le milieu. Et puis, plus tu es connu, parce qu'il ne faut pas aller se faire programmer au Palais de la Culture. Et puis, bon, c'est qui? On ne le connaît pas, tu comprends? Donc, d'abord, on essaie de se faire connaître dans le milieu. Et puis, plus on a une certaine popularité, et puis, plus on espère qu'on a mieux appris aux côtés de nos aînés, comme je te l'ai dit, on peut maintenant essayer d'affronter la 4000. Jusqu'à quand? Mais ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Il ne faut jamais se précipiter pour bien faire. D'accord, au-delà de ce spectacle hein, des 17 et 18 décembre 2022, quel est votre programme pour cette fin d'année, quand on sait que généralement vous êtes beaucoup sollicité en cette période? Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, même à cause de ce spectacle que je vais faire ce week-end, il y a pas mal de petits gombos, comme on le dit dans notre jargon, que j'ai dû quand même laisser. Si tu veux donner à mes jeunes frères pour qu'ils aillent le faire aussi. C'est ça aussi le sens du partage. C'est quand tu peux pas, il faut passer la main à tes jeunes frères qui viennent pour que ceux-là aussi puissent se faire voir C'est dans le vos milieu. aînés, ils vous passent aussi la main souvent. Bien sûr, bien sûr. Dernièrement, je me souviens que le doyen Adama était convié à une soirée où il n'a pas pu, pas qu'il n'a pas pu y être, mais il devrait être sur un autre truc. Il m'a appelé. Il m'a demandé d'aller gérer le gombo, comme on le dit entre nous. Je suis allé, il est venu à la fin. On a co-animé ensemble et c'était une très belle fête. Et quand c'est Voilà. comme ça, le cachet, c'est comment Il a vous le été partagez? très très sympa, il a été très très généreux. En tout cas, il a fait moitié-moitié. Moitié, Voilà, moitié. moitié-moitié. Et je lui dis merci. Merci. Là, on est en train de préparer un projet, lui et moi et un ami qu'on appelle Abraham le Merveilleux. Voilà, donc pour 2023, vous allez entendre parler. Donc pour revenir À la question, votre programme pour Pour cette fin revenir, d'année. ben, on a ce spectacle qu'on est en train de finir, on est en train de préparer. Quand ça va finir, on a deux, trois sollicitations pour la Noël, voilà. Et pour des animations de mariage aussi, parce qu'en même temps, les gens profitent pour se C'est marier. ça. Et puis, bon, au niveau du réveillon, pour l'instant, on n'a pas encore de programme en tant que tel. Peut-être qu'on va aller à l'église, prier Dieu et confier l'année 2023 à Dieu. Voilà, maintenant pour 2023. Nous sommes en train de préparer une série, une web série qui va tourner autour de la personne d'Hilarion. Je ne peux pas donner le titre d'ici, pour ne pas qu'on me vole l'idée. Voilà. Mais une web série. Et puis, nous sommes en train Vous êtes le de. producteur de... Pour l'instant, nous sommes en train de prendre la tâche avec certaines maisons de production. Si les gens peuvent bien nous aider, puisqu'on n'a pas le matériel nous-mêmes. Si les gens ne nous aident pas, peut-être qu'on va Mais aller. l'idée vient de vous. L'idée vient de moi. Voilà. Si on n'a pas le matériel qu'il faut, peut-être qu'on va aller avec nos maigres moyens. À partir d'un téléphone, on va filmer nous-mêmes.
et puis mettre ça sur YouTube, Internet. Dans le but, c'est vraiment de vraiment faire vendre l'image d'Hilarion, quoi. Et dans Voilà. cette web série, vous parlez de quoi? De tout. De tout, De tout, d'un de problème tout. de société. Tout, de tout, de tout, de tout. De tout ce qui a trait à la société et tout ce qui englobe le monde, on parle de tout. Vraiment, c'est. Je lis même le scénario et C'est un je. peu une représentation de votre one-man show, À qui la faute? Non, 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 non. Il est carrément différent. Il est carrément différent du One Man Show. Voilà. On parle de tout, mais aussi on va aussi aller sur l'actualité de l'année qui viendra. Voilà. S'il y a une actualité qui marque le monde, il y a un buzz, comme on le dit dans notre jargon ivoirien. S'il y a un buzz qui bat le plein, on verra comment tourner sans dérision. Et puis voilà. Alors, puisqu'on parle de votre programme pour cette fin d'année, est-ce que vous allez participer à Bonjour 2023? Malheureusement, non. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas fait le casting. Il fallait se faire. J'ai pas dit castré, mais il fallait faire le casting. Qu'est-ce qui vous a retenu? Je me suis dit. Je me suis dit, il faut déjà s'amener véritablement. Il faut vraiment encore décider de s'amener véritablement. Comme je l'ai dit. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas encore prêt pour affronter Oui le et non. public? Oui et non, parce que aller jouer à Bonjour n'est pas donné à tout le monde quand même. Voilà, il faut féliciter ceux qui passent là-bas. Et puis bon, je me dis que chaque chose a son temps. Voilà, moi je prends encore le temps de pouvoir peaufiner mes recherches, peaufiner mes sketchs, de sorte à ce que le jour où je passe là-bas, on puisse dire, ah ouais. C'est vrai que ça a mis du temps, mais il est là et on voit pourquoi est-ce qu'il a mis du temps à passer sur cette scène. Et aujourd'hui, on le découvre et vraiment, il fait du beau boulot. Voilà. Tout ça, c'est des projets qui vont venir. Voilà. Est-ce que vous avez déjà joué hors de la Côte d'Ivoire? J'ai eu la chance quand même d'aller deux fois au Bénin. D'aller deux fois au Bénin. La première fois, c'était lors de la Journée mondiale du théâtre. Voilà. Je me souviens que j'étais encore en formation à l'INSA en tant qu'étudiant. Et puis ils avaient besoin d'un humoriste. C'était à Galawal qui était pressenti pour aller, mais malheureusement il était malheureusement et heureusement pour moi, voilà, il était en Italie, donc sa date en Italie ne coïncidait pas avec coïncidait pardon avec la date La date de de l'événement à l'événement au Bénin. Cotonou. Donc du coup le promoteur là-bas a appelé l'un de nos professeurs ici, qui est M. Zié Koulibaly, voilà, qui était l'un des responsables, sinon le responsable de l'Institut français. Et pendant qu'on était fait court, voilà, qui lui a dit, ah voilà, on voulait avoir à Galawal, mais il n'est pas là et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un et tout ça? Parce qu'en même temps aussi, le budget là-bas aussi était un peu serré. Et donc, M. Zier en a parlé dans la salle, enfin dans la classe. Et je me suis proposé quand même d'aller. Et puis tout de suite, la connexion s'est faite avec le monsieur, le promoteur là-bas, M. Wanou, que je salue au passage. Et qui m'a fait aller au Bénin. Voilà, j'ai joué, c'était très bien, c'était diffusé même, je crois, sur l'une de la chaîne de télévision là-bas. On a joué dans le nord du Bénin, qui est Tchaourou. Voilà, je crois que c'est le visage de l'ancien président Yayi Boné. Voilà. D'accord, alors comment l'humour est vu de ce côté-là au Bénin? Comment les gens perçoivent l'humour? Mais les gens, ils adorent déjà les Ivoiriens. Ils se moquent de notre accent, alors que nous, on se moque de leur accent. Ah. Tu vois, c'est ce qui m'a le plus fait rire. Ils m'ont dit, ah mais votre façon de parler nous fait rire. J'ai dit, mais vous-même, votre façon de parler me fait rire. Tu vois, donc ils aiment les Ivoiriens. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit là-bas, voilà, ils aiment, ils kiffent. Donc voilà quoi. C'était bien, on s'est bien amusé. C'est vrai que le temps pour la prestation était un peu courte parce que c'était plusieurs compagnies de C'est ça, théâtre. c'est ça. C'était un festival en même temps, donc c'était cool, mais le message que j'ai voulu vraiment passer était là. Et vraiment, le message là, j'ai pris un bout du premier One Man Show qui était Je me présente et que j'ai joué là-bas. Voilà. Dedans, c'était question de nous, les Africains aujourd'hui, qui voulons embrasser le métier de la scène et puis nos parents refusent, tu C'est vois. ça. Et tout de suite, après, quand tu insistes, que tu deviens quelqu'un dedans. Que tu le vois, se réclame que oui, c'est mon fils, alors que tu vois,
Au départ, il n'a pas voulu que tu embrasses le métier de la scène parce que pour lui, c'est un métier qui ne nourrit pas son homme, c'est pour les paresseux, tout ça. En Europe, tout de suite, quand l'enfant commence à même déchiffrer des choses par terre, on sent en lui, toi, celui-là qui veut devenir peintre ou bien qui veut devenir dessinateur, calligraphe, et tout de suite, on le suit dedans. Et puis, demain, ça devient son métier. Mais ici, quand même, tu es en train d'écrire, même. C'est vrai qu'on commence déjà par écrire sur les murs de la maison, donc papa n'est pas content, donc ça part dans les bastonnades. Mais après, on se rend compte que cet enfant qui écrivait sur le mur aujourd'hui est grand portraitiste. Tu vois. Alors que dès le départ, on aurait pu voir ça et puis suivre l'enfant et L'accompagner. l'accompagner et tout ça. Donc c'est un peu ça que j'ai joué là-bas au D'accord. Bénin. D'accord. Vous êtes aussi l'initiateur du concept l'humour Edo. Parlez-nous-en Ouais, un peu. ouais. Humour c'est une ligne de vêtements que j'ai essayé de mettre en place, de créer. Nous sommes encore en train de faire mains et pieds pour que cela porte. L'humour est parti du fait que je devais participer à une émission télé, je ne sais pas si je peux nommer cette émission ici, Allez-y. voilà, qui est le Parlement du Rire. Et pour ma première prestation là-bas, pas ma première, parce que j'étais déjà passé là-bas, mais pour ma première, C'est ça. pour la saison à laquelle je participais, je ne sais plus à quelle saison, parce que je suis passé là-bas dans 2 ou 3 saisons, donc je ne sais plus dans laquelle des saisons, mais je sais que je suis passé une fois où, pour mon premier passage, c'était le premier jour d'ailleurs, c'était super, 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 au point où la productrice même est venue me saluer dans les loges, je lui dis vraiment. Pour ce premier jour-là, tu as vraiment damé le pion à tout le monde. Et donc, pour marquer ma joie, lors de mon deuxième passage, je suis allé voir un ami qui est infographe et qui fait ce genre de t-shirt-là. Je lui ai dit, bon, écoute, fais-moi un t-shirt Humour Edo. Voilà, Et c'est Humour comme Edo. ça, tout est parti. Et je suis arrivé là-bas avec le t-shirt. Tout le monde a apprécié, tout le monde a apprécié. Les gens m'ont demandé, ah, mais c'est de qui ça? J'ai dit, c'est de moi. Et c'est là que c'est parti. Tout de suite, il y a quelques personnes qui étaient là. Je me souviens qu'il y a un grand frère qui s'appelle Wayou Constant, qui tout de suite m'a dit, ah bon, d'accord, ok, d'accord, donc tiens, l'argent, fais-moi le même t-shirt là. Et voilà comment le déclic est parti. Humour Edo, Bailly Larion. Et vraiment, ça se comporte bien, ça se comporte D'accord. bien. Mais comme je suis sûr, en même temps, à faire beaucoup, beaucoup de choses, on a tendance que ça. On a l'impression après que c'est en train de s'endormir. Non, non, non. Ça revient, on est en train de prendre des contacts avec pas mal de personnes pour que la marque revienne sous d'autres formes. D'accord, c'est bien compris. Là, nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes humoriste. Ouais. On va pas vous laisser partir comme ça, Ouais. juste une blague Ouais. pour qu'on puisse terminer. Je suis en train d'écrire actuellement une histoire à partir de la chanson de Corneille. Vous connaissez l'artiste, le Rwandais là. C'est ça. Qui chante, qui dit que pour lui, le bon Dieu est une femme. Donc je vais faire un bout, vous allez voir. Mesdames et messieurs, je suis Kouassi Ilarion. Je suis là pour réitérer ce que l'autre a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, non, c'est lui qui l'a dit, l'artiste, le Rwandais, Corneille. Il a dit, et je cite, le bon Dieu est une femme. Si le bon Dieu est une femme et que la femme est le bon Dieu et que Dieu pardonne tout, alors je dis que la bonne femme, c'est celle-là qui peut surprendre son mari sur le lit conjugal en train de la tromper et qui peut lui pardonner. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Corneille qui l'a dit. Il a dit, et je cite, le bon Dieu est une femme et la femme est le bon Dieu. Si la femme est le bon Dieu et que le bon Dieu pardonne tout, alors la bonne femme, c'est celle-là qui peut voir une jeune fille passer dans le quartier, oh, qu'elle est belle la jeune fille et qu'elle la drague pour la donner à son mari. C'est ça la bonne femme. La suite après. La suite, ça sera pour ce 17 et ce 18 décembre 2022 du côté de la cocoteraie des Arts à Mondoukou, dans la ville de Grand Bassam, où va se produire Hilarion Kouassi dans son deuxième one-man show, À qui la faute? Ça sera aussi l'occasion de célébrer avec lui son anniversaire. Vous avez déjà quel âge maintenant? Oh, j'aurai 36 ans. 36 ans. 36 ans le vendredi On vous 16. souhaite encore beaucoup de 36 ans Merci beaucoup. dans votre vie Merci et beaucoup. puis plein de succès dans Merci votre beaucoup. carrière. Merci On beaucoup. espère vous voir un jour au sommet.
au sommet de l'humour en Côte d'Ivoire. Merci Et ça me infiniment. fera plaisir d'être toujours avec toi. On sera là pour vous accompagner à Merci tout beaucoup. moment, Merci beaucoup, que frère. nous aurons l'occasion de le faire. Merci beaucoup à Merci vous beaucoup. d'être passé sur ce plateau pour parler avec nous de cet événement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.